Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette préséance publique du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 3 octobre 19h. Nous allons donc, avant de faire le tour de l'ordre du jour, ajouter deux points. Le 6.4 qui est vente de terrain, le lot 5 988 934 au cadastre du Québec. Et ça va être pour une autorisation de signature. Et 15.1 qui va être une précision concernant les ventes pour taxes. À 15.2, on peut-tu en parler tout de suite attendre quand on va être rendu? 15.2, c'est? C'est le 23 septembre. Mme Josée Laroche a été nommée l'agricultrice de l'année. Oui. Donc, au point 2, M. Gagnon, service financier. Non, c'est l'acceptation des comptes, comme d'habitude, là, rien de spécial. Parfait. Le point 3, travaux publics, M. Labrin. Bon, ça va bien aussi. Parfait. Donc, le point 4, qui est hygiène du milieu. Oui. Okay, la prolongation du contrat, c'est correct. C'est la prolongation du contrat, puis après ça, accepter une soumission, c'était correct aussi. Ah, je n'ai pas vérifié ça tout de suite. C'est la soumission à chaque contrat 2. Oui. C'est laquelle, celle-là? C'est la canadienne qu'on a. Oui. Je vais vérifier. Je ne me souviens pas. Ah, c'est pour l'année 2000. Compteur d'eau 2016. Oui. Oui, c'est là pour renouveler la banque. C'est ça, mais je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas d'endroit où ça va être installé. Non, c'est ça, pour ouais. Acheter c'est quoi, l'inventaire. Il y a des remplacements là-dedans, ça c'est certain. Okay. Puis il y en a des nouveaux. Donc, quelques nouvelles, oui. Ça dépend du nombre de millimètres. Là, j'ai 5 unités de compteur d'eau, 6 mm par 13 mm de diamètre. J'ai une unité 16 mm okay. par 19, 22. Ça, c'est de dans 19 le programme d'entretien et de nouveau compteur d'eau qui est établi par notre service ingénieur. Au ça total, il y en a 32 dans ça. OK, parfait. C'est ça. Oui. C'est beau, moi, c'est pas mal de budget. Donc, le point 5. Aménagement du territoire. OK, c'est le règlement. L'adoption du règlement. Là, OK, les superficies permises, les bâtiments. OK. Les bâtiments accessoires. Ouais. Dans un document, on dit RM4, puis dans l'autre, on dit RM5. Non, c'est vraiment RM4, c'est parce qu'on vient enlever un paragraphe dans le règlement existant. Puis là, en enlevant ce paragraphe-là, on tombe avec les dispositions qui s'appliquent à RM5. C'est pas une erreur, c'est okay. correct. Okay. Donc, ce qu'on veut, c'est simplement uniformiser les marges dans le secteur du parc des maisons mobiles ou de Montplaisant pour que ce soit les mêmes normes qui s'appliquent partout. Sur le territoire de la ville de Roberval. Parce que là, on avait comme un régime hybride pour ces ouais, gens-là. C'est vrai. Comme on a commencé à vendre les terrains dans ce secteur-là, ben, on veut que ce soit uniforme partout. Oui. Tantôt, je pourrais peut-être vous dire c'est quoi les règles là, oui. Qui okay, s'appliquent. Oui, parfait. Oui, ça serait mieux, oui. Effectivement. L'autre point, c'est correct, ça va? Oui, demande de modification, c'est bon. Oui. Parfait. Point 6, développement économique, Mme Villette.
Oui, il y a juste une faute de frappe, c'est pas Claude de rétrocession, c'est une clause de rétrocession. Oui, oui. Et donc, sinon, ça c'est va. Parfait. Puis encore un programme pour les sites web. Oui. Excellent. Le point 9, loisirs et touristes, M. Lachance. Oui. Le point 9, c'est un point 1 correct. 9.2, j'avais juste une question au point de vue de 9.4. Je vais faire juste la lecture en donnée de 34 391,69 plus taxes. Parce qu'en global, il y a 38. Même si c'est moins la retenue. Ouais, mais si vous pouvez dire, c'est dans le fond, 38 moins la retenue, ça donne 34 391,69. Okay. Ouais. Excellent. Après, on a organisme communautaire, Mme Perrault. Oui, c'est le chevalier de Colombe-Robertval, demande financière, on l'a accepté tout à l'heure. On l'a discuté tout à l'heure, oui. 7325. Parfait. Lecture et adoption de règlement, M. On va apporter des correctifs. Moi, c'est un dossier du maire, vente pour taxes. On va donner un petit peu de détails là-dessus. Et concernant la motion de félicitations pour Mme Roche. Excellent. Donc, c'est ce qui termine cette préséance publique du Conseil de ville de Robertval. Tout à l'heure, 20h, assemblée ordinaire du Conseil. Merci. Bonne soirée.